السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمخطط الأخضر تاع مدينة الجزائر العاصمة، واللي فيه عدة مشاريع، ومنها مشروع هام جدا، وهو مشروع إعادة تأهيل حديقة الحيوانات تاع البراكنون، واللي يعني بتصور مختلف، ويعني فيه حداثة من ناحية الكونسبت، يعني التصور نتاع الحديقة هذه، ومشاريع أخرى تدخل دائما في إطار توسيع الغطاء النباتي والفضاءات الخضراء الكبيرة على مستوى مدينة الجزائر العاصمة، باش نخلق توازن طبيعي حول المدينة. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الهام جدا، والسلام عليكم. Avec une superficie de 5000 hectares, les couverts forestiers et les espaces verts sont les poumons de la capitale. Pour protéger ses atouts floristiques et faunistiques inestimables, la wilaya d'Alger a mis en place un plan de réaménagement de ces zones. Objectif : préserver et garantir la durabilité de ces écosystèmes à long terme. Parmi ces projets ambitieux, la décharge de Wadi Smar qui s'est métamorphosée pour devenir un espace vert. Autre projet non moins important, celui de Dounia Park, où 1059 hectares seront exploités pour l'établissement de pistes cyclables, la réalisation de 3 passerelles, ainsi qu'un parking d'une capacité totale de 5000 véhicules. Il est réparti en 4 zones. La zone 1, actuellement en cours de travaux, il est constitué de 3 grands lacs. Le premier lac et le deuxième lac, les travaux sont en cours par la wilaya d'Alger. Ils sont en voie d'achèvement. Consistant, c'est 1,8 km de pistes cyclables qui sera livrée cet été. L'éclairage public en cours de réalisation, 3 passerelles. La passerelle pour survoler ou pour traverser le lac afin de relier les deux lacs, le lac 1 et le lac 2. La deuxième passerelle, c'est sur la deuxième rocade pour permettre aux gens de la zone 4, l'Achour ou l'Edfeit, pour aller vers la zone 1, 6 parkings en cours de réalisation. La DTP actuellement réalise sur la coupe de la Wilaya, bien sûr, pour un montant de 1 milliard de dinars. C'est un grand parc qui sera livré avec toutes les commodités. Et pour mieux protéger les plans d'eau, des programmes de plantation de différents types d'arbres et de réalisation d'ouvrages mécaniques et biologiques ont été mis en place par la direction des forêts. Une fiche technique elle a été donc réalisée pour atténuer un petit peu tous les phénomènes d'érosion apparente afin de fixer le sol dans le plus bref délai. La superficie prévue donc pour protéger un petit peu tout le pourtour du plan d'eau, ce sera sur 11 hectares avec différentes espèces forestières. En exemple, le peuplier, les platanes, les pistachiers, les poivriers, le sol pleureur, différents types de pins. Cette grande opération de réaménagement concerne également l'autre joyau naturel, espace de jeu et de loisirs privilégié des Algériens, le parc zoologique de Ben Aknoun, qui deviendra un parc safari. Le village africain restera donc digne de son nom et drainera un nombre important de visiteurs. Le parc safari, c'est un nouveau concept qui est en vogue à travers le monde. Ce sera une première en Algérie. C'est un concept qui consiste à mettre les animaux sauvages, donc ces animaux comme le lion, le tigre, l'éléphant, dans un espace en semi-liberté. Voilà. Et à inverser un petit peu, on inverse un petit peu les rôles. Et c'est les visiteurs qui seront enfermés quelque part, donc soit dans des tunnels vitrés, par exemple. Les visiteurs pourront donc observer ces animaux sauvages, les approcher sans danger. On a la réhabilitation de la clôture, il y aura la réhabilitation de la voie ferrée, il y aura aussi la réhabilitation de l'éclairage public. La réhabilitation, il y a deux hôtels, il y a le Mouflon d'Or et la résidence, donc une expertise a été lancée pour nous permettre de réhabiliter ces deux édifices. Il y aura aussi la création de quelques points d'eau, donc les forages,
les bassins, les châteaux d'eau, la réhabilitation des différentes stations et l'acquisition de quelques wagons. Donner un autre aspect architectural, une autre façade qui épouse l'environnement immédiat. Le plan vert de la wilaya d'Alger revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il englobe plusieurs opérations de réhabilitation et de réaménagement d'espaces verts et de sites forestiers, vu leur rôle dans la régulation du climat et la protection de la biodiversité pour un cadre de vie meilleur.